aujourd'hui à Béji. Entre Kinshasa et Pékin, le président de la République s'y est rendu depuis hier. Dans ce journal, nous vous proposons ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État à Beijing. Au sommaire également, finies les vacances, c'est la rentrée des classes aujourd'hui, lundi 2 septembre 2024, sur toute l'étendue du territoire national. Une rentrée qui intervient dans un contexte de l'épidémie de Mpox. Voilà tout pour le titre encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Les chefs de l'État, depuis hier à Beijing en Chine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre part au sommet Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024. Un sommet qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des pays africains. Ce sera autour de Xi Jinping, président chinois. Retour sur ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État hier à Beijing avec Fanny Kikoufi. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise. L'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur le tarmac, M. Wang He, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une brève salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné, et le conseiller spécial, Joe Dumbi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème « Joindre les mains ». Pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête-à-tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Découvrons ces communiqués émanant de la cellule de communication de la première ministre. Il est libellé à l'attention de la population de Kinshasa. Il est porté à la connaissance de la population de Kinshasa qu'une tentative d'évasion a eu lieu dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Les services de sécurité maîtrisent la situation et des enquêtes seront menées pour faire toute la lumière sur cet incident malheureux. La population qui et prier de ne pas s'alarmer et d'évacuer aisément à ses occupations en ces jours de la rentrée scolaire dont le gouvernement tient à la réussite. Ainsi fait à Kinshasa le 2 septembre 2024, cellule de communication primature. Et justement, en rapport avec cet incident, le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya, a réagi depuis Beijing. On l'écoute. Ce qui s'est passé cette nuit, on va dire, c'est une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services d'ordre et de sécurité ont intervenu. Il y a eu beaucoup d'écrépitements de balles d'après les rapports qui nous ont été donnés, mais il y en a eu aussi des balles de sommation pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Au moment où je vous parle, la situation est revenue au calme et il est envisagé une descente sur le site d'une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Normalement, je venais de parler avec lui tout à l'heure à ces sujets. Nous avons aussi échangé avec la première ministre, comme vous le savez, séjourne dans le Congo central. Et donc le sujet a été pris à bras-le-corps. Et dans les prochaines heures, en cours de journée, on pourra communiquer sur un certain nombre de détails, sur les circonstances de cet événement, mais aussi sur éventuellement les bilans de ce qui a bien pu se passer. Et l'opinion n'en sera que bien ici.
Ici, pour les parents qui ont hésité, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, les enfants peuvent aller à l'école et peuvent vaquer à leurs occupations. En tout cas, il n'y a rien à craindre. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. On en saura davantage tout à l'heure. Je venais d'ailleurs d'avoir aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que vous savez que la prison, c'est son ressort, qui effectue une tournée à l'intérieur du pays, qui va les compter pour aller aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, essayer de suivre un peu ce qui se passe et d'apporter évidemment des solutions rapidement et surtout des dispositions pour que des pareils événements ne puissent plus se répéter. Revenons dans la capitale. Focus sur la prison centrale de Cabinda dans la province de Lomami, construite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces lieux carcérales présentent un besoin urgent de rénovation. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est rendu sur place dans le cadre du processus d'amélioration des conditions carcérales et des désengorgements des centres de détention, nous dit Cédric Kenina. C'est dans cette salle vide où s'entassent les détenus dans la prison centrale de Cabinda. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, observent avec stupeur les conditions des détentions et réfléchissent séance tenante pour une solution urgente. Les gardes des Sceaux, après une visite complète, a posé des actes concrets pour désengorger ces sites carcérales. 33 prisonniers ont bénéficié d'une libération sous condition. La condition est de ne pas récidiver. Sur la liste, un détenu condamné à 20 ans de prison ferme et qui en a épulché 19. 26 autres libérés après constat des dossiers vides. Que des larmes de bonheur quand la liberté vous donne les ailes. Après un état des lieux sans complaisance, Constant Moutamba annonce la réhabilitation des 30 pavillons, l'approvisionnement régulier en médicaments avant de remettre un lot important de matelas dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention dans une prison construite en 1945. Hormis les pavillons, la prison compte également un centre hospitalier, un bureau de directeur, un bureau de secrétariat et greffe, un dépôt, une cave ainsi qu'une chapelle. Face à cet état des choses, je sollicite votre implication personnelle, Excellence, pour sa réhabilitation parfaite. Par la même occasion, le ministre d'État, ministre de la Justice, a interpellé les magistrats sur le fait qu'ils doivent garantir l'équité. Je l'ai dit en titre, les écoliers du cycle primaire et secondaire ont repris depuis ce matin le chemin de l'école et ce, après 2 mois de vacances, une rentrée qui intervient au moment où le pays fait face à une épidémie Mpox. La bonne nouvelle est que la RDC dispose d'un arsenal dans la prise en charge des épidémies. Les parents n'ont pas donc à s'inquiéter. Dans ce journal, Anastasie Doumbourou nous propose la ronde qu'a effectuée le vice-ministre de l'Éducation. L'Institut Chikunga, ex-collège Saint-André, a servi de cadre à la cérémonie officielle de la rentrée scolaire 2024-2025 par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raissa Malou à Tchikapa, chef-lieu du Kassai. Quoique timide, la rentrée scolaire 2024-2025 est effective. Les élèves et les écoliers ont bel et bien repris le chemin de l'école ce lundi 2 septembre. C'est le constat fait par le vice-ministre accompagné de ses collaborateurs au terme d'une ronde effectuée dans quelques écoles de la capitale. Jean-Pierre Kezamundrou affirme que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux élèves de bien étudier. On commence par vous souhaiter une excellente année scolaire 2024-2025. Merci. Nous sommes de passage dans votre école pour constater si réellement il y a la rentrée. Commencez à étudier aujourd'hui pour ne pas être embrouillé vers la fin de la période. Mais si vous commencez à digérer déjà la matière aujourd'hui, le reste, ça va aller aisément. Bonne chance. Le blé blanc, pain pan neuf, dans leurs uniformes, se fit un festival des cris de joie et des embrassades entre élèves qui ne se sont pas vus durant environ 2 mois de grandes vacances. Côté enseignant, tout s'est bien passé. Le fait qu'ils ont tous répondu présents dans différentes écoles visitées et se disent déterminés à reprendre la craie. Il s'agit de l'Athénée de la Gombe, du lycée Chaumba, les Lampions, lycée Motema Pico, Epe 2, 4 Matongé et d'autres écoles de la ville-province Kinshasa.
Rendons-nous dans le sud Kivu pour parler de cet atelier communautaire sur la prise en charge sociale des populations. Images et commentaires. Toute société minière installée dans une entité doit se conformer au cahier de charge de la communauté locale. Kimia Mining n'a pas dérogé à cette règle voulue par le code minier congolais. Cette société de droit congolais a déjà réalisé plusieurs œuvres sociales en territoire de Mombasa, notamment dans la chefferie de Bombo. Il s'agit entre autres de la construction des bâtiments qui abritent l'école primaire et secondaire Bougoumba pour permettre aux élèves de cet établissement d'étudier dans de bonnes conditions à quelques heures de la rentrée scolaire 2024-2025. Des kits scolaires leur ont été distribués. Aussi, une Jeep Pépin 9 a été dotée au chef de la chefferie de Bombo et un stade moderne est en plein réaménagement en faveur des jeunes du milieu. Le directeur général de Kimia Mining, Emeteza, souligne également la prise en charge de sa société de 10 étudiants dans différentes universités du pays. Chaque année, deux actions palpables qui confirment bel et bien la bonne collaboration qui existe entre cette société minière et la population locale, a dit Gilles Kayumba, notable de la région. Je remercie vivement cette société. Il y avait au moins 6 motos qui étaient distribuées pour le chef de gouvernement. Le message en est que nous, la population, surtout les autochtones, nous avons l'obligation de soutenir cette société. Signalons que dans un proche avenir, Kimia Mining compte électrifier le centre de négoce de Badengaïdo, chef-lieu de la chefferie de Bombo. Vous venez plutôt là de suivre la dotation d'un bâtiment flambant neuf dont de la société minière Kimia Mining en territoire de Mombasa. Venons-en à présent à cet atelier communautaire sur la prise en charge sociale des populations. Malgré les potentialités de leur entité dans presque tous les secteurs d'activité, les communautés des 22 groupements de la collectivité chefferie de Wamuzimu évoluent dans le milieu caractérisé par un état de pauvreté très avancé. Cela dû à la dégradation et au manque des infrastructures sociaux de base. C'est ainsi que le consortium des organisations communautaires pour le développement durable, COCDD, a organisé cet atelier de concertation pour déceler les problèmes réels au sein des 22 groupements que compte la collectivité chefferie de Wamuzimu et donner des solutions sur les problèmes prioritaires. Le problème majeur, c'est plus la sécurité alimentaire, l'eau, l'énergie, la santé et l'éducation, mais aussi l'état délabré des routes. Nous voulons, après avoir identifié les différents problèmes urgents de développement, élaborer un plan de développement. Sous l'accompagnement de Sa Majesté Mwami Christian Biyamba Longangi, 4e du nom, et le coordonnateur technique Jean-Claude Witandai, ces assises permettent de présenter les COCDD aux communautés de base et identifier les problèmes socio-économiques des bases. Merci Émilie Kayundo. L'eau, c'est la vie, dit-on. Malheureusement, la population du secteur des Louilou est en manque criant de cette denrée vitale. La chef de cette entité a initié les travaux de construction d'une quarantaine de forages. D'autres précisions avec Ricardo Bambeka. Elle fait partie d'une des meilleures élèves de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le développement à la base des 145 territoires. Betty Kiando Katoke vient de doter la population des 4 groupements du secteur de Louilou de plus de 40 puits d'eau potable de forage. Ses habitants font face à un manque criant d'eau potable. Dans ces entités, l'eau est devenue une vraie denrée rare. Après les cris de détresse lancés par la population des 4 groupements de Louilou, Betty Kiando a répondu favorablement à leur demande en initiant les travaux de construction de forages d'eau potable dans chaque village
du secteur. Le premier à recevoir les engins d'une entreprise locale de droit congolais est le village d'Issompo, situé à plus de 95 km de la ville de Kolwezi, chef-lieu, la province du Lualaba. Ce qui fait le bonheur de la population bénéficiaire de cet acte posé par l'autorité locale. La chef du secteur a initié les travaux de forage des puits. C'est un soulagement pour nous. Que Dieu bénisse Betty Kando Katoke. L'entreprise qui exécute les travaux se donne un délai de 90 jours pour livrer à la population des quatre coins du secteur de Lulu plus de 40 puits d'eau potable. Rassurez-vous, maman chef, que nous allons vous faire plaisir et faire un bon travail jusqu'à la fin. A noter que Betty Kando Katoke suit la ligne de conduite tracée par l'exécutif provincial du Lualaba, Marie-Thérèse Fifimasuka Saini. Dans le Bas-Ouélé, le gouverneur de province Mike David, accompagné du ministre national du développement rural Moïse Moïndonzangi, ont inspecté la route nationale numéro 4 qui nécessite une réhabilitation. Regardez. Après la sixième réunion du comité technique provincial de suivi de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoire que le ministre provincial du plan, Dr Serge Nimo, accompagné du coordonnateur plus de PEDEL 145 territoire, ont fait une descente dans les différents chantiers dans le territoire de Bouta et Akiti où se construisent les ouvrages pour asservir les élèves, les malades d'être dans de bonnes conditions. Cette initiative des chefs de l'État président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'accent sur les sociales de son peuple, est saluée par la population de ces coins du pays en ces termes. Autrefois, nos enfants étudiaient sous les chambres. Une fois que la pluie tombe, ils n'étudiaient pas. Mais aujourd'hui, nous avons vu des bâtiments en dur pour nos enfants. Voir ces bâtiments, nous sommes émis de joie. Nous étions dans la souffrance et nos enfants faisaient plus de 15 km pour aller étudier. Merci au chef de l'État. Les ingénieurs constructeurs n'ont pas caché leur satisfaction de voir pour la toute première fois les autorités leur rendre visite au chantier et promettent de faire tout possible pour qu'à la fin du mois de septembre, quelques ouvrages soient à la disposition du gouvernement pour son utilisation. Satisfait de l'état d'avancement des travaux, le ministre provincial du plan, Dr Serge Nimo, explique. Nous sommes satisfaits de ce que nous avions vu parce que ça correspond au rapport que les entreprises nous ont fait à travers nous. Et nous étions là pour palper du doigt la réalité des travaux. Et on a eu à discuter avec les autorités traditionnelles, on a discuté avec la communauté. Je crois que la communauté est favorable à ce qui s'est passé sur le terrain. Rendons-nous dans les Haut-Lomami pour vous faire voir les différents travaux de construction et de réhabilitation qui s'effectuent. C'est pour une visite d'inspection de travaux de réfection de la route Kamina-Kabongo qu'effectue l'office des routes depuis plus d'un mois que le ministre provincial des infrastructures, l'honorable Venas Mutombongo Nshimba, a effectué une descente ce jeudi 27 août 2024. À ses côtés, les techniciens de l'office des routes. La visite est partie de Loubiaï jusqu'à Louboubou, faisant un total de 20 km déjà, ayant connu une phase d'ouverture sous financement du gouvernement provincial qui dirige Banzamouloumé Marmo. En témoin oculaire, Venas Mutombongo Nshimba a apprécié la qualité de travaux et promet de transmettre le rapport à sa hiérarchie pour d'éventuels financements afin que l'œuvre soit bien finalisée. Sous financement du pouvoir central, la route a été travaillée de Kamina jusqu'à Samba sur tout au plus 120 km. Un motif de satisfaction pour la population qui demande aux techniciens sur place d'apporter quelques améliorations sur quelques points jugés négatifs. Nous remercions grandement et nous sommes reconnaissants des actes qu'a posé notre excellence, monsieur le gouverneur. En tout cas, il y a des décennies que cette route était toujours négligée. C'est avec une note positive que Venas Mutombo a regagné Kamina, a pris une excellente mission. Autre chose, les cadres et agents du Fonds des promotions de l'industrie se sont vus décerner la médaille d'or du mérite civique par le chancelier des ordres nationaux, le général-major André Matoutou.
Matoutezouloa. Et ce, c'est en fait pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Bobo Samba, reportage. Ils sont au nombre de 14 des lauréats à qui la chancellerie des ordres nationaux a décerné la médaille d'or du mérite civique. Ce prix qui vient récompenser des années de travail des heureux récipiendaires. On reconnaît à ces derniers le sens élevé d'abnégation et du dévouement. Leur contribution à promouvoir l'émergence de l'industrie congolaise à travers le suivi du financement de projets de recherche appliquée, moteur de tout développement d'une nation, n'a pas laissé indifférent la chancellerie des ordres nationaux. La récompense de ces jours est une démonstration de la volonté du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, à promouvoir la bonne sémence afin de créer l'émulation au sein de la société congolaise, d'où la reconnaissance des bénéficiaires. Poursuivre notre propos de ces jours sans nous acquitter du devoir agréable de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux. Nous exprimons également notre gratitude à son Excellence, le chancelier des ordres nationaux, qui préside au nom du chef de l'État la cérémonie d'aujourd'hui. Chers pionniers, vous avez maintenant la reconnaissance nationale qui est immortalisée par cette cérémonie. Ainsi, reconnaissant votre contribution à l'émergence de notre chère institution par ricochet de l'industrie congolaise, cette distinction qui vous est décernée vous oblige à plus d'engagement envers les FPI. La cérémonie du jour a connu la participation du directeur général du Fonds pour l'industrie, Bertin Mundimu Tshisekedi, un événement qui intervient en cette période où le FPI célèbre ses 35 ans d'existence. Face à la revue de presse à présent, dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Mpox, l'Afrique enregistre près de 4000 cas par semaine, rapporte Econews. L'Afrique connaît une augmentation des cas de Mpox avec près de 4000 cas signalés la semaine dernière, a déclaré mardi l'organisme de santé publique du continent, réitérant un appel pour des vaccins tant attendus dont l'arrivée cette semaine dans le pays le plus touché, la RDC, a été retardée. 81 décès dus au Mpox ont été signalés en Afrique la semaine dernière, portant le nombre total de cas et de décès à 22 863 et 622 respectivement, a déclaré le docteur Jean Kassia, directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, lors d'un briefing en ligne. Affaire d'éguerpissement diplomate français, le vice-premier ministre Chabani suspend Kilimba Limba et le commandant de la Légion nationale d'intervention, annonce Forum des As. La hiérarchie de la police nationale congolaise vient de sévir. Deux hauts officiers généraux ont été suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire. Il s'agit du commissaire divisionnaire adjoint Kabeya Tchani, commandant de la Légion nationale d'intervention, et du commissaire provincial de la police nationale congolaise pour Kinshasa, Blaise Kilimba Limba. Les deux sont visés pour leur implication dans le déguerpissement musclé de diplomates français. Caniveau bouché et artère impraticable à Kinshasa, Daniel Bumba sollicite l'accompagnement du gouvernement central, révèle le maximum. Le gouverneur Daniel Bumba, écrit le journal, se dit déterminé à relever le défi de la salubrité. Il invite le gouvernement central à l'accompagner dans cette mission, notamment avec un financement conséquent. C'est dans ce but qu'il a rencontré mercredi 28 août le ministre des Finances, Doudou Fouamba, à qui il a présenté l'état des choses qui nécessite une réhabilitation immédiate. Transport en commun, les conducteurs soumis d'afficher les tarifs et itinéraires, notes et journal Kinshasa. Le gouvernement provincial souhaite remettre de l'ordre dans le secteur des transports en commun en mettant fin à la pratique du sectionnement d'itinéraires, à l'augmentation excessive des prix des transports et d'autres vices qui minent ce secteur important de la capitale. C'est dans ce cadre que le ministre provincial des transports, Bob Amisso, a invité tous les conducteurs à afficher en permanence annonce les tarifs et les différents itinéraires afin de permettre aux passagers d'être bien informés. C'est un réel
quel plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers cette édition de 13h30. Madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie pour son soutien technique. Excellente suite des programmes sur la RTNC. Et surtout, bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.